Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très 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 bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 40 de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok. Ah, Fireball! Et on est parti. C'était des petites quêtes secondaires, mais je pense que finalement ces petites quêtes secondaires vont très 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 vite se faire, à mon humble avis. Donc ne vous en faites pas là-dessus, on va bouger ce caillou là qui nous dérange. Chier. Et je pense que là, on va mettre fin littéralement à toutes les quêtes secondaires du lieu. Parce que regardez, il y a dedans la dernière quête principale que nous avions, c'est-à-dire le fantôme, hein, que le fantôme nous avait donné. Voilà, pierre à aiguiser. Joli pactole, mon frère. Je pense, on trouvera le fils du fantôme. Vraiment? Sa requête n'est pas une diversion? Il ignore le sort de son fils. Je vois. Alors, soit. Ok, bon, écoutez, on a une carte au trésor, donc sur ça, il n'y a pas trop de soucis, on pourra le récupérer en chemin. Néanmoins, on va faire un demi-tour parfait. Pourquoi? Tout simplement pour aller rendre au frérot nain le marteau qu'il voulait, voilà, parce qu'il va sûrement nous crafter peut-être une sorte de manche ou une nouvelle arme, ou en tout cas, je pense bien nous récompenser, donc on va le faire vite fait. Là, il n'y a pas de gros coffre caché. En vrai, c'est ok de ça aussi. On prend ça, une petite fireball, c'est jamais trop. Si jamais il y a une bagarre. Et après, on peut continuer directement à la suite de notre aventure principale, évidemment. Donc, let's go. Il y a beaucoup de sang ici. Donc, ici, on a un marteau. Il y a peut-être autre chose à faire, en vrai. Hein. Je suis... suis-je fou? Je ne sais pas. Putain, mais pourquoi il était intuable, bordel, là-bas, je piche pas. Ça vraiment, ça me turlupine. Ça, c'est bon, on a rien à faire. Ça me turlupine. Voilà, ça sert à rien. C'est le fireball. Qu'est-ce que c'est que... Je vais voir si c'est pas ce... Clébar, là, qui gueule. Quoi? D'accord. Ok. Ah d'accord. J'avais oublié qu'il faut le dégommer sans qu'il nous vole. Voilà. Sauf qu'ici c'est barré. Et ici l'angle me paraît quand même assez restreint. De là-haut vous croyez? Ça me paraît beaucoup quand même. Ça me paraît bizarre, pardon. Ok, tout ça on a. Bah écoutez, je pense qu'on peut partir. Je pense qu'on peut partir. Là il n'y a rien qui s'y cache. Qui s'y frotte, s'y cache. Ok, bah écoutez, on va laisser la petite bête derrière parce qu'en vrai, ça va me demander de rechercher pendant 5 bonnes minutes. Rencontrer la dame de la forge a fait remonter de vieux souvenirs. Je pensais qu'on ne pouvait voir de telles choses que dans mon pays. Des sirènes qui forgent des armes. Oui, je me souviens avec affection d'une nymphe appelée Mimui. Extrêmement douée, l'épée à la main. Mimir. Ce n'est pas une métaphore. Tu devrais avoir honte. Elle forgeait les meilleures épées de toutes les îles et avait de grands rêves quant à ce qu'elle en ferait un jour. Je me demande ce qu'elle est devenue. Ok, on a fait un 3-6 pour rien. Ça fait toujours plaisir, évidemment. Où est le nain? Où est le nain? J'ai peur de ne pas le trouver. Je ne crois pas qu'il était allé vers là, mais qu'est-ce que je fais? Où est le nain, le frérot, là-haut? Okay. Je suis venu et j'ai éliminé une patrouille des Neria. Cette zone est dégagée. C'est bizarre, on a l'air de s'en rapprocher. Pour ce qui est de réguler le nombre de flâneurs, une armée d'occupation est des plus efficaces. Let's go! Yo, mon ref! Ben oui! Oh. Encore vous! J'espère que vous venez nettoyer le bazar de votre tête de compagnie. C'est déjà fait. Ça ne change rien à ce que j'ai fait, mais j'espère que cela arrange un peu les choses. Allons-nous-en, mon frère. Ton marteau. Merci.
C'est pas grand-chose avec les larbins d'Odin qui piétinent la cité. Mais ceux qui le verront comprendront qu'on n'a pas perdu tout espoir. Pas encore. Et ben voilà, meneur rebelle. Très bien. N'attendez pas à le revoir un jour. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, incroyable ! Le fendoir de montagne ! Je veux, c'est totalement fou et je peux l'améliorer. Oh ouais. Oh oui. 8000 ! C'est énorme. C'est énorme. Oh, 9000 ! C'est énorme. Ok, oh la vache, et ça aussi, ça a l'air fou. Hop, et on va l'améliorer, hein, balayer. Très bien. Très bien. Bon, écoutez, on va un petit peu faire un tour dans les compétences. On va améliorer ceci, évidemment, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire tout de même avec... Voilà, notre jolie arme, Freya, qui est de plus en plus forte. Elle obtient un truc runique en plus. Freya, elle peut nous régaler, là, hein. Freya peut nous régaler, hein. Allez, ça dégage, ça peut être incroyable. Ça peut être incroyable, et ça va être... Ok, superbe. Les nouvelles sont très très bonnes, je vous le dis. Allez, let's go, la suite de notre aventure principale. Incroyable. Je pense qu'il y aura des petites quêtes à faire à chaque fois dans tous les lieux qu'on va revisiter. Je pense qu'on... Je ne sais pas, hein, évidemment, et on évite tout spoil. Mais je pense qu'on s'approche grandement quand même de la fin du jeu. Étant donné qu'on revisite les mêmes endroits, mais cette fois-ci avec la fameuse arme qui nous permet de voir ce qu'il y a là où il y avait de la lumière. Donc on revisite de manière intelligente, évidemment. Là-bas, il y a les yeux d'Odin, il y a le creuset. On revisite de manière intelligente un peu nos quêtes, et ça fait du bien. Ok, et maison de Sindri. Eh ben, écoutez, confirmé. Let's go. Sur la maison de Sindri. Peut-être aller voir avec les yeux d'Odin aussi. Mal, ça. Mais bon, là, on va aussi maintenant que tu as ton arme, voir où est notre fils, Atreus. Il faut pas l'oublier, le ref. Oui, si c'est toujours le plan. Ça l'est. Je protégerai mon fils. Bien. Alors j'imagine que nous allons abandonner le plan initial consistant à éviter le Ragnarok. Cela dépendra d'Odin. Oui, et c'est bien là ce qui m'inquiète. Écoute, mon frère, ces choses qu'il t'a dites... Ces mots ne valent rien. C'est vrai, mais je doute que ces représailles soient une menace en l'air. Nous devons réfléchir à ce que cela implique. Tu vas trop vite en besogne. Voyons si Sindri a trouvé quelque chose. Eh ben voilà. Allez, Sindri, régale-moi. Parlez à Sindri. Sindri, il a forcément quelque chose pour nous. C'est évident. Le voilà. Hey, viens donc lui montrer la lance. Regarde ça! Alors déjà ça on prend parce qu'à mon avis j'ai dû oublier des choses. Voilà! Enchantement, j'ai carrément oublié un enchantement, what the fuck? C'est ouf! Let's go, on va lui montrer. Allez, fini le travail! Oh, regardez-moi ça! Elle est exceptionnelle! Pas besoin de me le dire! Tu as trouvé comment aller à Asgard ? Pas vraiment. J'ai eu quelques idées, mais aucune n'a... marché. Mon frère, sans un accès à Asgard, qu'allons-nous faire ? Je ne sais pas. Je dois réfléchir. Ah. Je suis... fatigué. Charbonne. Si je puis me permettre cette expression, charbonne pour toucher gros boulard. Ok, je peux déjà l'améliorer. Les attaques au corps à corps s'abattent rapidement sur l'ennemi en infligeant des dégâts de bifrost. Ok. Alors. Une vraie aventure en plus. Je leur ai tout appris sur la nature d'une chose et sur la. Ok, pas mal. Équipé évidemment. Très bien. Ça me plaît, j'aime bien. Tu es insupportable. C'est moi le plus supportable du lot. Ok.
pierre de résurrection. Waouh, 5000 maintenant, ça coûte en argent. Bah finalement, et les amis, tout cet argent servait bien à quelque chose. Ah, parce que j'ai encore ma pierre de résurrection. Attends, je suis un monstre en fait. Bon, même si on est mort 150 fois. Pierre de résurrection, bah on va voir. J'ajouterai ça à la pile. Ok. Objets spéciaux. Il était temps que je m'occupe. Let's go. 5000, c'est très bien. Et surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ça. C'est de l'argent, allez hop. Bah les couilles, hein. Voilà, sur un malentendu. Très bien, ça. Bien, ça. Très bien, ça. Il y a des trucs qu'on pouvait avoir qu'ici. Superbe. Ok, ça, je ne sais pas encore à quoi maintenant, ça sert. Maintenant, passons à la déesse. Lâcher gravé de runes. Oh, c'est embêtant tout cela. Qu'est-ce que ce sera? Ok. On est bon. Je vais juste modifier mon amulette, ce que j'y ai mis. Ah ouais, il y a du lourd là, chacal. Ok. Je peux faire les fortunes. Ça peut partir sur une fortune très rapide. Ça peut partir sur une fortune. Augmente les dégâts de corps à corps infligés par Kratos lorsqu'il a plus de 75% de santé en fonction de sa défense. Cool ou pas? Moi, je trouve ça giga cool. Il est temps d'aller manger un petit truc, les potes. Et je pense qu'on va d'ailleurs re-switcher sur Atreus, à mon avis, très bientôt. Où vas-tu, mon frère? Dormir. Bon, c'est bizarre. Son... Alors, on continue à avancer dans le noir en espérant qu'on ne tombera pas sur le Ragnarok. C'est ça, ton plan? Je me mets à sa place, ils se sentent pas bien, les gars, il y a son fils quand même. Thank you.
Tout va bien. Bien, ton père semble vraiment prêt à partir. Allons-y, tu veux ? Par ici, grognon. Ok, qu'est-ce qui va se passer ? Donc ma femme, enfin en tout cas ce qu'il en reste, est sûrement Atreus. Tu apprécies ces douces vagues, petit homme ? Ton père et moi traversons souvent cette rivière. Un jour, tu apprendras à voguer sur ces eaux. Nous vivons au cœur de vos bois. La plus belle forêt de tout Midgard. Un lieu sûr et paisible. Le gibier y abonde. Tu ne manqueras de rien. Nous ne sommes pas loin du lieu où ton père et moi nous sommes rencontrés. Nous avons failli nous entretuer ce jour-là. Il s'est adouci depuis. Un peu. Malheureusement pour toi, il est toujours terriblement stoïque. Oh. Je suppose qu'il m'incombera de t'apprendre à parler. Ton père t'apprendra à chasser. Ou peut-être m'en chargerai-je également, puisqu'il ne semble savoir que grogner. N'as-tu rien à dire à ton fils ? Que veux-tu que je dise, Faye ? N'importe quoi. Qu'il apprenne à reconnaître ta voix, à te connaître toi. Moins il en saura, mieux il se portera. La connaissance n'est pas toujours un fardeau. Quand je pense que le puissant dieu de la guerre a peur de son propre enfant. Je n'ai pas peur de notre fils, Faye. J'ai peur pour lui. Nous ne sommes pas nos échecs. Nous ne sommes pas ce que nous étions. Nous devons être meilleurs. Et notre avenir. Protège-le, Kratos. Protège notre fils.
t'a fait, ce mur ? C'est pour me concentrer. C'est mon père qui me l'a appris. Et ça marche ? Pas encore. Mais sur quoi tu te concentres ? Le contrôle de mes émotions. Emdahl cherche à me faire perdre mon calme. Je dois lui résister. Trude ! Hé ! C'est Trude, alors pas de bien. On s'entraîne sans moi ? Et c'est une bonne idée de s'entraîner. Enfin, je trouve ça bien, moi, mais ta mère va pas se fâcher si elle l'apprend. Bien vu. Mais as-tu pensé à... Non, en effet, même pas mal. Plus sérieusement, grand-père veut te voir. Oh, ton grand-père. Ouais, bah, d'accord. Tiens, prends ça. Et passe mon bonjour à Sif, à Dame Sif. Et Atreus, on se voit plus tard. Et Trude, au revoir, Trude. Les mythes gardiens sont vraiment étranges. Étrange, ça peut être bien. Non mais vous deux, franchement... Y'a quoi dedans ? Tu l'as cahier. Ma mère adore. C'est sa façon d'aider. Grand-père est dans son bureau. On se voit plus tard ? Bon, il reste une partie du masque à récupérer, vous l'aurez compris. Chercher Odin dans son bureau, évidemment. Alors, on en était au niveau attrait-trait. Bon, on en était très très bien, tout simplement. Hein. Il était quasi full maxé niveau stuff, il était quenty. Donc, c'est pas trop dégueulasse, évidemment. Allez, c'est parti, on va voir Odin. C'est bien plus compliqué que tu ne le penses. Tu n'as pas toujours besoin de savoir. Je suis plus une enfant. Cela n'a rien à voir avec ton âge. Alors quel est le problème ? Parce qu'à mon âge, Magni et Maudit étaient engagés sur la voie de leur mort. Je ne comprends pas. Mais tu n'essaies jamais. Alors aides-moi. Pourquoi t'obstines-tu à vouloir suivre leurs traces ? Et qui plus est, avec ce garçon ? Ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste... J'en ai toujours rêvé. T'as jamais eu... Nous sommes des As, pas de vulgaires paysannes. Nous n'avons pas de rêves, seulement des devoirs. Tu dois apprendre à agir en conséquence. Parfois, je te déteste. Ok. Bon, bah c'est parti, direction Odin. Il va encore nous baragouiner des tonnes de... Rien ici. Odin est peut-être dans sa bibliothèque. Son bureau, il est stylé, hein. Bon, il y a beaucoup de trucs par terre, mais enfin. Ah, allez. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Je ne comprends pas. Le masque ? Ramener chez nous le géant qui a tué mes fils ? Pourquoi ? Je pourrais te l'expliquer, mais pas te le faire comprendre. Ne laisse plus ton épouse penser à ta place. Elle embrume ce qu'il reste de ton cerveau. Elle n'a rien à voir là-dedans. Non, mais tu es bel et bien limité. Accepte-le et vis avec. Va plutôt détruire quelque chose, veux-tu ? Honnêtement, je te préférais quand tu buvais. Loki, viens là. J'ai enfin mis le dessus. C'est là que vous avez tué Ymir. N'est-ce pas ? Le premier géant. Dis-moi. Peut-on tuer un éboulement ? Étouffer une tempête ? Ymir était une force de la nature, la puissance incarnée. J'étais jeune et bête. J'ai vu l'occasion de créer quelque chose. Tu penses sûrement que c'était cruel, mais j'ai fait ce que j'avais à faire pour protéger les miens. Tu comprends ? Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Que cache-t-il ? Si je dois vous faire confiance... J'essaie de t'expliquer. Juste après la mort d'Ymir,
j'ai vu quelque chose, la brèche. Peut-être bien le point de départ de la réalité. J'ai plongé mon regard et j'ai vu une présence qui me regardait droit dans les yeux. Elle me murmurait des choses que je ne pouvais pas comprendre, mais je savais qu'elles étaient vraies. Quand elle m'a aveuglé, j'ai cru que c'était la fin, que jamais plus je ne regarderai à l'intérieur jusqu'à ce que je trouve ce masque. Et j'ai su, à cet instant, qu'il me permettrait enfin d'obtenir des réponses. Vois-tu, mon enfant, j'ignore où j'irai après ma mort. Il n'y a pas de Valhalla pour moi. Le Ragnarok ne peut pas être la fin. Mon existence ne peut s'arrêter ainsi. Je dois savoir ce qu'il adviendra de moi. C'est la vérité. Je te le jure sur l'œil qu'il me reste. C'est toute la vérité. Les runes sur le masque, elles parlent d'un souffle glacial. Souffle, vent. Il doit s'agir des Lime. Lime, dis-tu? Je te crois. Et je connais la personne idéale pour t'accompagner. Aïe, 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 c'était sûr. J'espère que vous vous montrerez à la hauteur de mes attentes. Tu peux compter sur nous. Essaie d'éviter de te planter. Oh, j'ai failli oublier. Emdahl se joindra à vous. Ah! Quel privilège. Pour nous tous. Hop, 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 hop! Pas si vite. Vous ne pourrez pas affronter le froid glacial de Helheim sans aide. Efrelar. Voilà qui vous tiendra chaud. Ne me remerciez pas. Mimir a dit que même Odin ne pourrait survivre au froid d'Helheim. Tu crois tout ce que te raconte ce vieux bouc? Good. Désolé que ta première sortie hors d'Asgard t'amène à Helheim. Non, ce sera une bonne expérience. Déchaîner les enfers. Bien, j'adorerais jouer les gouvernantes, mais le père de tout m'a confié une autre mission. Si vous rencontrez le moindre problème, criez pour que je puisse retrouver vos corps. Bon, trouvons ce morceau de masque. Je peux enfin tester mes compétences aux côtés du grand expert des Valkyries. D'abord, les Éléens ne sont rien comparé aux Valkyries. Ensuite, je pensais que tu me croyais pas. Ok. Les Éléens, c'est ta chance. Ok. Allez, ça dégage. Bon. T'en veux encore ? Okay. Je veux bien croire que tu as affronté les Valkyries. Ce que je crois pas, c'est que grand-père les avait corrompus, a causé la désolation de Midgard et ordonné le massacre des géants. J'oublie quelque chose ? Pas mal de choses. Ok, le masque me donne le chemin. D'autres Éléens, je m'en charge. Pourquoi je te regarde sans rien faire? Tu rêves? Allez. Bien. Il est vraiment fort. Gueule pas. Ok. Tiens. Là. Et lui, ça dégage. Alors, quels autres abominables crimes mon grand-père a-t-il commis? Voyons, il a décimé Vanaheim, torturé Tyr, exécuté Groa, assassiné Ymir, et y a pas que ça. Intéressant. Et où as-tu entendu tout ça? C'est Freya et Mimir qui me l'ont dit. Ah, donc sa traîtresse d'ex-femme et son ancien conseiller aigri? Écoute, tu ne me crois pas, mais... Non, c'est vrai. Soit tu mens, soit t'es un hypocrite quand tu l'aides. Est-ce qu'on peut se concentrer sur la mission? Travail de manipulation, là aussi. Écoutez, les amis, on va s'arrêter là. Mon père n'a pas toujours été celui qu'il est aujourd'hui. Il a changé. Peut-être qu'Odin peut changer aussi.
Je sais que c'est dur d'entendre ce genre de choses, mais il faut que tu saches la vérité. Ce que tu choisis d'en faire, c'est à toi de voir. Eh bien écoutez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire sur cette belle parole, et on se revoit très bientôt pour la suite de notre aventure avec l'épisode 41. Bisous tout le monde, bye bye.